Aujourd'hui, nous allons étudier la négation. Quand on parle, on dit souvent pas, j'aime pas le bleu, mais ce n'est pas correct. Il faut dire ne pas. Moi, je n'aime pas la négation, surtout quand on écrit. La négation est donc formée de deux mots. Ne pas, ne plus. Et il y en a beaucoup d'autres. Voici quelques exemples avec la forme affirmative et deux formes négatives, la négation faible et la négation forte. Est-ce que tu te lèves toujours à 7 heures? Non, je ne me lève pas toujours à 7 heures. Le dimanche, je me lève à 9 heures. Non, je dors beaucoup. Je me lève toujours à 9 heures. Je ne me lève jamais à 7 heures. Est-ce que tu sors souvent? Non, je ne sors pas souvent. Je sors une fois par semaine. Non, je ne sors jamais. Je reste tout le temps chez moi. Est-ce que tu vois parfois tes amis? Non, je ne vois jamais mes amis. Chacun reste chez soi. Est-ce que les règles sont partout les mêmes? Non, ce n'est pas partout pareil. Il y a des pays où on peut faire certaines choses. Non, elles ne sont nulle part les mêmes. Chaque pays a ses règles. Est-ce que tu vas quelque part ce week-end? Non, je ne vais nulle part. Je reste à la maison. Est-ce qu'on peut encore aller au cinéma? Non, on ne peut plus sortir pour s'amuser. Est-ce que l'école recommence déjà? Non, l'école ne recommence pas encore. Elle est encore fermée. Est-ce que tu fais quelque chose pendant tout ce temps? Non, je ne fais rien. Je m'ennuie. Est-ce que tu vois quelqu'un dans la rue? Non, je ne vois personne. Tout le monde reste à la maison. Est-ce que la police contrôle tout le monde dans ton quartier? Non, dans mon quartier, la police ne contrôle pas tout le monde. Non, dans mon quartier, la police ne contrôle personne. Est-ce que tout le monde va travailler? Non, tout le monde ne va pas travailler. Non, personne ne va travailler. Parmi tes amis, est-ce que tous sont satisfaits de rester chez eux? Non, tous ne sont pas satisfaits. Non, ils ne sont pas tous satisfaits. Non, personne n'est satisfait. Est-ce que tu les as tous contactés? Non, je ne les ai pas tous contactés. Non, je n'ai contacté personne. Est-ce que tout est facile dans cette leçon? Non, tout n'est pas facile. Il y a des choses difficiles à comprendre. Non, rien n'est facile. C'est une leçon compliquée. Est-ce que tu as tout compris? Non, je n'ai pas tout compris. Non, je n'ai rien compris. Je m'ennuie à la maison. Et toi? Moi aussi, je n'ai rien à faire. Je ne m'ennuie pas à la maison. Et toi? Moi non plus. J'ai toujours quelque chose à faire.